Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi? Ils sont deux. Moi, je sais pas utiliser un Michel masque. Michel Tuttle et Franck Maggi. Je pourrais dire, je suis mini, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Franck Maggi, Michel Tuttle, mauvais travail, hors série. Moi, je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, épisode 10 déjà, et nous sommes le 27 mars. Salut à toi, mon petit Franck Maggi. Bonsoir Michel. Ça va? Ça va bien, je me suis bien reposé parce que hier soir quand même ça a été un peu foufou. Et voilà, et donc ce matin je me suis quand même levé pour aller chercher mes courses. Je croisais des militaires qui attendaient devant la boulangerie, il n'y avait que eux dans la rue. Et voilà, ça faisait un petit peu bizarre. Et puis voilà, et puis après j'ai pris une douche et puis après je me suis couché en fait et j'ai dormi pendant 7-8 heures. Ah bah moi non, nuit impossible de dormir, pas pu faire de sieste pendant la journée, donc là je suis crevé. Donc voici ma revue de presse, c'est parti. Eh bien le confinement va terminer le 15 avril. Voilà. Ça c'est tout ce que j'ai. Ah si, mon voisin du dessous, il a fait les applaudissements comme d'hab, donc corps de chasse. Et là, on a un nouveau truc qui est arrivé. Il y a mon voisin du dessous qui a un mégaphone. Voilà. Donc il gueule. Merci, nanana. Merci, nanana. Merci. Donc voilà, mégaphone, ajout d'un instrument supplémentaire. D'accord. Voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Là, je suis venu. Le sac est vide. Le sac est vide, les cernes sont apparentes, le Michel est fatigué, putain je peux plus, je sais plus ce que j'ai envie, je sais plus si j'ai faim, je sais pas si j'ai envie de dormir, je sais pas si je dois aller aux toilettes, je sais pas si je dois prendre un café, je sais pas si je dois me brosser les dents, je sais pas si je dois aller faire un tour chez moi, je sais pas si je dois faire le ménage, je sais pas si je dois lire un bouquin, je sais pas si je dois écouter de la musique, je sais pas si je dois faire de la musique, je sais pas si je dois enregistrer une émission, je sais pas si je dois écrire des trucs pour l'émission, je sais pas si je dois avoir refaire les poussières, je sais pas. Donc je sais pas, je suis perdu là. Faut que tu te décides juste sur un truc, c'est du bon repos et je pense qu'après ça sera réglé. Ouais, ok. Bon bah moi je n'ai pas plus de choses à dire en ce 27 mars 2020 de confinage. Moi non plus, et on sait qu'on a un petit délai de 3 jours hein, entre l'enregistrement et la diffusion de nos émissions, donc on a tout le temps pour préparer des petites surprises musicales que nous mettrons à la fin de cet épisode. Qu'est-ce que t'en penses Michel? Eh bien écoute, je suis tout à fait d'accord, une post-prod de très bonne facture pourrait nous sauver de cette émission vide. Voilà, donc on va essayer d'être créatif. Moi j'ai envie de faire des petits remixes, j'ai envie de faire des remixes sur l'actualité, de prendre des répliques comme ça, des répliques choc, des répliques actuelles. Donc voilà, moi je vais essayer de taffer là-dessus. Et surtout demain, on pourra. Enfin, moi je sais ce que je vais faire demain, je serai en forme, j'aurai dormi, je jouerai à Worms Armageddon parce que maintenant je suis un gamer. Et oui, et moi aussi j'ai téléchargé pour qu'on puisse jouer ensemble. Et on encourage nos auditeurs à se signaler s'ils ont envie de jouer avec nous. Ouais. Et moi je vais faire des Twitch et tout, Worms Armageddon, ça va être génial. J'ai lancé une chaîne de gamers, ça s'appellerait Mauvais Gamer. Voilà. Ah, c'est pas et très mal. Et je serai tout seul et ce sera sans toi parce que du coup je vais me lancer un petit truc, une carrière solo de gamer. D'accord, ok, je valide. Sans toi, tu seras pas avec moi, je serai tout seul. Non, ça marche, mais par contre je sais que j'aurai droit au merchandising quand même, quand tu feras des mugs et tout. Non, rien. Rien. Non, ça, non. Mais pourquoi Michel? Je sais pas, non je rigole, non tu sais que je t'aime, je suis désolé, ouais. Je sais pas ce que je suis fatigué. Super, je te sentais... Je sais pas. Je sens tout trognon. Tu me verrais dans mon appart, là, je gère dans l'appartement, la tête basse. Mais déjà, je comprends pas pourquoi tu t'es foutu à l'envers, parce que... Comme Batman, quoi, en fait. Bah ouais, moi, je dors... Bah, tu sais que je dors les... Enfin, je dors comme une chauve-souris, moi. Mmh. Même si on doit pas parler de chauve-souris en ce moment, je dors la tête en bas. J'ai l'impression de servir à rien, là, tu vois. Je sais pas. Est-ce que je sers à quelque chose, au fond? J'en suis pas persuadé, hein, Michel. Ouais, je me disais bien aussi. Mais t'inquiète, moi non plus. Non, toi, tout ce que t'apportes à la communauté, c'est quand même du rire, de la joie. Oui, de la joie, c'est surtout rire. Mon programme de stage qui est important dans ce que je fais. C'est vrai que c'est ce qui me permet de tenir. Ouais, parce que moi, là, après avoir fait le ménage, mon appart est bien vide, tu sais. Je comprends, mon petit Michel. Bien, écoute, je pense qu'on va donner congé. Ouais. J'aimerais bien que tu nous fasses un petit lancement pour les séquences musicales qui va suivre. Eh bien, tout de suite, nous allons nous écouter les séquences musicales qui va suivre. En fait, c'est la séquence. La séquence musicaux, c'est musicaux au pluriel, du coup. Je sais pas. Non, bah on va dire ça autrement. Tout de suite, musique, tu vois, y a pas de séquence musicale. Un peu comme t'as fait tout à l'heure, que t'es bien, là. Tout de suite, musique. Oh, putain. Non, mais je te jure, c'est...
Non mais c'est très bien parce que ça témoigne aussi de ce jour-là où t'es un peu... Il est quelle heure là? Qu'est-ce que je fais là? Mais je suis où? Mais je suis où là? J'ai faim? Non, je sais pas. Merci Michel. C'est fini? Ouais, c'est fini. Décrochage musical, c'est parti. Les artistes se mobilisent contre le coronavirus. Après Patrick Bruel, Calogero et Bono, Eddie Mitchell Tuttle vous présente son morceau pour lutter contre le coronavirus. Et tu voulais te laver les mains, alors on s'est tous relavé les mains. Et elle voulait se laver les mains, alors elle s'est relavé les mains. On devrait tous se laver les mains, en se regardant de loin, et sans plus se tenir la main. Oh, laver les mains, et tu voulais te laver les mains. Et tu se relaver les mains. Laver les mains, laver les mains. Laver les mains, laver les mains. Tous les bénéfices de cette chanson seront entièrement reversés à l'association des nouvelles bottes en cuir pour Eddie Mitchell. Rien de son. Yeah! 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 You wash your ass. Yeah! You wash your ass. Yeah! You wash your ass. Yeah! They are. You wash your hands, you wash your hands, you wash your hands, and they are clear. You wash your hands, you wash your hands, you wash your hands, and they are clear. You wash your hands, and they are clear. You wash your motherfucking hands, they are clear. Lave toi ou non. Vous venez d'écouter Un mauvais journal.